Bonjour Dani. Bonjour. Bonjour Neige. Bonjour. Merci de nous recevoir ici aujourd'hui donc à la ferme de l'Oiseau Bleu. On est ici sur une surface de 3 hectares, 2 hectares cultivés, 2000 mètres carrés sous serre, en plein Vaucluse. Et vous êtes installé là depuis 2010. Ma première question, ça va être, c'est quoi votre parcours à tous les deux avant d'arriver ici en deux mots? Vas-y, Dani. Alors moi, j'ai été ouvrier agricole. Je suis pas issu du milieu agricole. Hein. Mon père est instituteur, mais j'ai grandi dans un village dans le Pas-de-Calais. Ma petite enfance. Et après, j'ai travaillé 2 ans dans l'administration. Et après, je voulais vraiment avoir un travail où je sois à l'air libre, dehors. Ça, c'était vraiment un objectif. J'aurais bien aimé être garde forestier, mais bon, c'était déjà compliqué à l'époque. Donc, j'ai voyagé, et puis après, je suis descendu faire les cerises dans la Drôme. Et là, j'étais ouvrier agricole pendant 4 ans, en viticulture, arboriculture, olivier, abricotier. Puis après, au bout de 4 ans, je me suis dit, je veux travailler. C'était en 88. Je me dis, je veux travailler en agriculture biologique parce que dès le début, j'étais sensible à l'écologie et puis à l'agriculture biologique, tout ça. Et là, j'ai trouvé une ferme où j'ai travaillé 2 ans en agriculture biologique, où j'étais un peu gérant de la ferme. Je voyais un peu les patrons le matin, ils me disaient ce qu'il va faire. J'étais déjà autonome. Après, je suis parti, je me suis installé, je me suis associé 7 ans avec un maraîcher, toujours dans la Drôme. Et à 40 ans, l'association s'est terminée. Je me suis retrouvé à chercher à m'installer pour une première fois. Donc, ça a été sur 3 hectares à côté de Carpentras. Et au bout de 3 ans, j'avais 5000 mètres de serre. J'avais construit ma maison. Je travaillais comme un fou. Et après, j'ai rencontré Nadège et on est parti dans un projet dans le Vercors, un projet communautaire. C'était une expérience riche. Au niveau agricole, c'était intéressant parce que c'était en altitude, à 750 mètres d'altitude, avec un terrain sablonneux, avec 5% d'argile. C'était vraiment le top au niveau maraîchage, quoi. Et l'altitude, c'était pas mal aussi. Au niveau de l'enseignement, c'était vraiment sur un versant sud hein, du Vercors. Voilà, et au bout de 5 ans, l'expérience s'est terminée. On a décidé de revenir dans le sud. Et là, on est arrivé il y a 13 ans maintenant. Et 14. Et voilà, et puis là, il y a 4-5 ans, j'ai expérimenté. D'abord, en regardant, en cherchant, parce qu'il y avait toujours dans un coin de ma tête quelque chose qui n'était pas satisfaisant au niveau de la façon dont je travaillais. Et au tout début, j'avais recherché quelque chose dans la permaculture. J'avais lu le livre de La Révolution d'un grainerie et ça m'avait vraiment beaucoup, beaucoup touché. Je me suis dit, ouais, c'est ça, c'est vraiment un idéal. C'est vraiment mon idée, ça serait vraiment mon idéal, mais bon, toutes les installations successives, ça voulait dire des challenges économiques, donc j'avais vraiment pas eu le temps de retrouver ça, de creuser plus profond. Bon, j'ai essayé un peu la biodynamie, c'était vraiment intéressant, et bon, il y avait une sensibilité. J'ai toujours fait du compost depuis le début. Et bon, donc il y a 6-7 ans, je recherchais sur internet et j'ai trouvé les vidéos de François Mulet. Et là, je me suis dit, c'est ça, c'est le moment maintenant pour moi d'essayer quelque chose d'autre. Vraiment, j'ai vraiment senti profondément que c'était quelque chose de
qui était jouable et qui était applicable et qui était à notre portée, quoi. Et puis bon, j'ai la chance d'avoir un approvisionnement en matière organique de la déchetterie d'APT. Donc voilà, tout devenait possible. Super. Donc j'ai commencé le MSV. On va peut-être revenir sur la façon dont tu as fait la transition à MSV juste après. Là aujourd'hui, vous êtes deux associés sur la ferme et un salarié. Ouais. Du coup, Nadège, toi, t'es arrivée il y a 10 ans sur la ferme. Avec quel parcours ? Alors, je suis arrivée avant déjà. Oui. Mais sur la ferme, oui, il y a 10 ans. Et en fait, moi, j'ai un parcours plus administratif. C'est-à-dire que j'ai fait un baccalauréat G. À l'époque, secrétariat. Et après, j'ai eu différents emplois successifs comme employé de bureau à différents niveaux. Et puis, à un moment donné, j'ai rencontré le monde artistique avec des gens de théâtre qui m'ont embauché comme employé de bureau. Et là, j'ai commencé à évoluer dans mes études tout en ayant mes enfants. Donc, j'ai fait des formations qui, à l'époque, étaient impulsées par le ministère de la Culture. Mais bon, c'était pas encore... Tout ça n'était pas encore très, très en place. C'était dans les années longues et au niveau du ministère de la Culture. Et donc, j'ai commencé à me former sur la gestion des entreprises et des projets culturels. Et puis après, dans la ville où j'étais, qui était dans l'est de la France, à Mulhouse, il y avait un gros bateau culturel qui s'appelait la Filature. Et donc, en même temps, à l'université de Mulhouse, ils avaient ouvert une section toute neuve qui était vraiment sur la gestion des projets culturels. Donc j'ai suivi pendant 2 ans cette formation. Et après, je suis passée, il y avait une formation complémentaire. Chaque fois, on essuyait les plâtres. Il y avait une formation qui s'est mise en place, qui était une équivalence maîtrise, mais qui n'a pas été finalement validée par l'éducation nationale. Mais quand même, et ça, c'était sur la médiation culturelle et artistique. Et donc, après tout ça, voilà, moi aussi, ça a été le passage à la quarantaine qui a été décisif. Et ça ne s'est pas fait tranquillement, ça s'était vraiment fait en angle droit d'un seul coup, parce que pendant 15 ans j'ai accompagné des artistes dans le management et donc plein d'équipes différentes, que ce soit le théâtre, les arts mêlés, etc. Et donc après ça, il y a eu un moment, j'y arrivais plus du tout, quoi. Je me suis dit, j'ai senti vraiment à la quarantaine, non, je peux plus faire ça, parce que j'avais l'impression que je touchais plus terre, hein, donc ça, c'était important pour moi. Et franchement, arrivé le lendemain du 11 septembre, j'ai vraiment eu un choc de conscience. Et en fait, le 12 septembre au matin, j'ai décidé d'aller travailler la terre. Et je n'aurais pas pensé que franchement ça m'amènerait là aujourd'hui. J'ai pas pensé ça du tout. C'est venu, c'est-à-dire que voilà, j'avais décidé du coup à ce moment-là de faire une formation. Donc tout de suite, je me suis renseignée, tout de suite j'y suis allée. Et voilà, après on me disait de trouver un endroit de stage. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Dany. Tu fais ton stage chez Dany. J'ai fait la première fois j'ai fait mon stage chez Dany. Bon après voilà, j'ai expérimenté en tant qu'ouvrière agricole quelques exploitations, mais j'avais une double activité, c'est-à-dire que du coup, j'avais aussi une activité en auto-entreprise qui était sur faire de la cuisine, parce que dans le monde artistique, quand on partait en tournée, les gens, on avait des horaires qui correspondaient pas du tout aux endroits, aux moments de restaurant, etc. Donc on faisait sous chapiteau, on faisait à manger, etc. Et donc je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais faire? Et puis en discutant avec un directeur de salle de théâtre, il me dit tu sais, parce que je lui dis moi je vais arrêter mon job d'administratrice. Il me dit tu vas faire quoi? Je lui dis écoute, je sais pas trop, je fais peut-être de la cuisine. Et il me dit on cherche quelqu'un. Donc ok, j'y vais. Donc en même temps j'ai eu ces deux choses, quoi. C'est-à-dire que j'étais en lien avec la nourriture par la rencontre avec Dany. Donc lui au départ, j'avais tous ces légumes et après, moi, je faisais à manger, etc. Et puis après, pour moi, quand on est parti dans le Vercors, parce que j'étais très conceptuelle à l'époque, je disais, je veux allier culture et agriculture, etc. Quoi. Et en fait, donc on est parti dans le Vercors. C'est vrai qu'on avait créé là-bas, même si c'était un collectif, on créait quand même nos activités économiques. Et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est que, j'ai complètement abandonné même la cuisine,
Parce que bon, voilà, je suis beaucoup partie en nomade avec ma cuisine et tout ça, donc ça suffisait. Puis quand on est arrivé ici, voilà, je me suis beaucoup plus impliquée avec Dani, avec aussi, ne venant pas de ce monde-là, même si dans mes racines, voilà, il y avait des viticulteurs, mais ça avait été d'une génération à l'autre, ça avait été abandonné. Donc après, je me suis dit, bon, est-ce que c'est plutôt la vigne ou plutôt... Puis comme je faisais de la cuisine, bon, bah, j'avais choisi les légumes quand même. donc voilà. Aujourd'hui, tu apportes toutes tes connaissances et compétences en gestion voilà, administrative et autres. Et en plus de ça, tu as monté un autre atelier sur la ferme. Voilà, qui est les fleurs. Voilà. Donc ça, j'ai commencé à peu près en 2014. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai installé les fleurs ici, c'était plus, hein, je ne voulais pas les vendre. Non. Je me disais, non, je ne veux pas vendre les fleurs. C'était pour, en fait, amener aussi ce côté lumière qu'on voit souvent en biodynamie aussi. Hein, aussi. Et puis l'idée de recréer, de recréer des équilibres dans l'écosystème aussi, puis d'attirer les pollinisateurs, etc. Parce que je voyais quand même qu'il y avait besoin de ça, etc. Quoi. Donc ça a été plus une partie peut-être plus sensible, et puis ce qui m'a amené finalement à une rencontre aussi avec justement un restaurant étoilé et qui était très sensible à toutes ces questions des fleurs comestibles et tout. Donc voilà, je suis partie sur le bouquet comestible, hein, voilà, donc je suis partie là-dessus, donc avec aussi des herbes aromatiques, des herbes aussi condimentaires, des médicinales aussi. Donc je mélangeais dans mes bouquets tous ces aspects-là, quoi. Voilà quoi. Et donc là, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai encore plus développé cette partie-là à mon petit niveau, hein, parce que franchement, je cultive pas sur beaucoup, je cultive mes fleurs et sur à peu près 250 mètres carrés en MSV. Mmh. Voilà, grâce à Dani, hein, qui m'installe tout ça. Chaque fois au printemps, je lui dis, s'il te plaît, fais-moi des belles trucs et tout. Enfin, voilà. Bon, c'est vrai que je m'appuie, je peux pas, je le fais pas toute seule, quoi. Vraiment, non. Vous êtes arrivée ici en 2010. Nadège, tu me disais tout à l'heure, avec 60 000 euros à tout casser, vous avez acheté une partie des terres, vous avez monté l'entreprise. Aujourd'hui, c'est quoi vos statuts ? On est en GAEC. Le GAEC, oui. Vous êtes en GAEC. Est-ce que ça a toujours été le cas ? Ou qu'est-ce qui a créé l'envie de passer en GAEC ? Alors en fait, quand on est arrivé ici, ben Dani, il était comment on appelle ça maintenant ? Je ne le sais même plus puisqu'on est en GAEC. Exploitation individuelle ? Voilà, en individuel, en entreprise individuelle. Et bon, c'est vrai que la première année, ça a été très compliqué pour les raisons qu'a évoqué Dani sur la question du sol, etc. Et puis comme on avait acheté ce lieu en automne, mais on est arrivé au printemps en fait pour l'installation. Donc enfin, et donc la première année, ça a été très très compliqué. Et donc moi j'avais un statut, j'avais toujours mon statut d'auto-entreprise à côté, donc j'ai gardé ce statut-là. Et puis après, en fait, ce qu'il y a, c'est que entre tout le savoir-faire et tout ce que sait faire Dani et tout ce qu'il a pu développer, bah, à un moment donné, bah, le chiffre d'affaires a augmenté. Puisqu'il y a, pour cette partie-là, on était déjà suivi depuis 2005 par un cabinet comptable qui est entre la Drôme et le Vaucluse, qui s'appelle CER France, et qui nous ont toujours bien aussi suivis et drivés. Voilà, et à un moment donné, voilà, ils nous ont dit, bah, écoutez, maintenant vous arrivez à un endroit où bah, voilà, il faut choisir une autre structure juridique, et pourquoi pas voilà, créer un GAEC puisque vous êtes un couple, et puis comme ça, Nadège, elle aurait aussi un statut dans l'entreprise agricole. Voilà, donc parce que sinon il y avait aussi le choix de conjointe, collaboratrice, tout ça et tout, mais c'était encore très différent. Mais là, vu qu'il y avait tout un potentiel aussi de d'augmenter la production sans que ce soit non plus excessif, mais quand même, quoi, pour pouvoir voilà, parce qu'on arrivait à un seuil, et donc voilà, on a fait ce choix là et puis parce que si on est étant au forfait, donc on ne pouvait pas dépasser un certain chiffre d'affaires, un certain seuil, ouais. Donc sinon, j'étais obligé de passer au réel. Le GAEC, ça permettait de reporter le forfait sur deux. Parce qu'on n'est pas personnes. Au réel, on reste voilà. Juste à la TVA. Donc, ça nous permettait d'avoir deux. Et de continuer à être au forfait, quoi. Je ne sais pas pourquoi je bloque sur le truc d'être au réel.
T'as géré. Non, mais parce que ils ont vu quand même aussi le fait qu'il y avait. Bah, parce que comme ils nous connaissaient déjà aussi avant, bah, ils ont vu que quand même on était à deux, quoi. Donc, enfin, au minimum. Hein. Après, il y avait évidemment d'autres gens avec Dany, d'autres salariés. C'était la solution. Mais voilà, c'était. Ils nous ont vraiment très bien accompagnés là-dedans, et voilà, encore aujourd'hui, ils nous accompagnent, quoi. Et puis c'est vrai que c'est pas une obligation, hein, normalement, d'avoir une comptabilité. Enfin, on peut la faire soi-même, etc. Mais ça nous a aidé à beaucoup de choses. Voilà, ça nous a aidé à clarifier les choses et aussi à maintenir un cap et puis à même avoir des fois dans les relations du coup avec notre organisme bancaire, bah, d'avoir ce qu'on appelle le prêt de campagne en début de saison, parce que en début de saison, on n'a pas on a besoin pour réinvestir, relancer la saison, etc. Et on n'a pas toujours la trésorerie pour, enfin en tout cas suffisamment de trésorerie pour. Donc voilà, ça nous a vraiment aidé et puis. On ira jusqu'au bout avec tout ça, quoi. Voilà. Ouais, c'est 8000 euros de découvert. Autorisé, enfin, le prêt de campagne, oui. Quand même. Sur des périodes courtes, hein, mais disons, on peut quand même aller. C'est en relation avec le chiffre d'affaires, quand même. Hein. Voilà, c'est-à-dire que ça peut être fluctuant, quoi. Ça peut être moins et ça peut être plus selon. En tout cas, c'est stable. Donc, voilà. Et puis, c'est des taux. Enfin, si on devait les emprunter, ce ne serait pas possible. C'est quand même la réalité de l'agriculteur, quoi, ça. Ouais. Donc, voilà. Combien vous avez investi dans cette ferme qui fait 2 hectares, 3 UTH, en GAEC, MSB ? Non, c'est difficile à dire, mais... Enfin, moi, je pense que de toute façon, on est plus que dans les 100 000 euros. Hein. C'est ce que je dirais. Ouais. Ouais. Moi, je pense qu'on est plus que dans les 100 000 euros. Quoi. En comptant tout le temps qui a été passé, les constructions, tout ça. Je suis même pas sûre que ce soit avec le temps, franchement, qu'on y est passé. Parce qu'on ne compte pas le temps. Franchement, on ne compte pas le temps, quoi. Ouais. On ne compte pas le temps qu'on y a passé. C'est vrai que nous, en tant qu'acteurs, je veux dire, et puis on croit à notre projet, on y va, et chaque année, on investit à la mesure de ce qui est possible d'investir. Quoi. Voilà, on a plutôt été dans un fonctionnement comme ça au fur et à mesure. Quoi. Voilà, pour pas s'endetter non plus de trop, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'à des moments, on n'a pas demandé, on ne s'est pas endetté, on va dire. Non, on n'a jamais... On a du vieux matériel, mais qui tient la route, quoi. Des trucs anciens, mais solides. On va aller faire un tour du côté du matériel. Comment ? On va aller faire un tour du côté du matériel. Ouais. C'est vrai qu'on entretient quand même. Ah oui. On entretient ce qu'on a. Voilà. Donc à environ 100 000 euros, admettons, mais qui se sont répartis sur ces 10 années. Ouais. Aujourd'hui... Oui, je vais demander le chiffre pour aujourd'hui et vous me direz s'il y a une évolution. Vous sortez quel chiffre d'affaires et par rapport à vos charges, qu'est-ce que ça représente, vous, combien est-ce que vous arrivez à vous tirer, ouais. Comment vous faites la balance un petit peu dans ces chiffres-là? Alors là, depuis 3-4 ans, on est à peu près dans les 110 000, 100 000 euros. Voilà, là, l'année dernière, ça avait baissé un peu. Parce qu'il y avait, ça c'est plus toi qui peux raconter sur un peu les problématiques qu'il y avait eu. Mais après sinon, quand même, on est en EBE, on est à 40 000 euros, quoi. Donc voilà. Okay. Ouais, c'est beaucoup dû au fait qu'on n'a pas de frais de plan, qu'on n'a pas de frais d'emballage non plus, on récupère toutes les cagettes et tout. Donc le fait qu'on fasse les plans et puis... pas énormément d'intrants, donc voilà. Après les charges, c'est les salaires, quoi. C'est le personnel. Ouais. C'est vrai que là, on a fait c'est la première année où on est que à trois, avec de temps en temps un stagiaire ou de temps en temps une aide d'une semaine ou deux semaines, comme ça. Mais sinon, avant, les années d'avant, on avait testé aussi avec plusieurs salariés. Mais finalement, c'est beaucoup mieux de cette manière-là. Bon, après, avec le risque, maladie et des choses comme ça, quoi. Mais bon. Voilà, c'est un risque qu'on a voulu prendre aussi pour mesurer un peu le résultat. Mmh. Donc ça, le résultat de cette année, on ne l'a pas encore. Voilà. La difficulté, c'est d'équilibrer la charge de travail avec d'estimer ce qu'on va mettre en culture pour ne pas avoir trop de charge de travail.
Par exemple, comme j'avais l'habitude de travailler avec deux saisonniers, le fait de travailler avec un saisonnier, je n'ai pas réduit assez la charge de travail, et donc c'est moi qui fais le travail en plus, quoi. Donc c'était plus compliqué cette année à gérer, parce que bon, après en début de saison, je me dis, bon, je trouverai bien quelqu'un pour m'aider au moment où il faudra, mais... Mais c'est pas aussi là, facile. C'est, non, ça n'est plus aussi facile. Et une époque, on trouvait facilement, maintenant, c'est trouver quelqu'un qui est prêt à travailler dans l'agriculture et qui sache le faire avec le salaire que c'est. Mais il n'y en a pas beaucoup. Donc les choix que vous avez faits, ça a été embaucher plus et produire plus, peut-être en densifiant ou en intensifiant. Et finalement, vous êtes revenu dessus pour redescendre à 3. Est-ce qu'il y a eu d'autres choix en termes de débouchés, de commercialisation, qui ont beaucoup fait évoluer la stratégie commerciale de la ferme? On a d'abord développé tout de suite ici, enfin assez vite, une vente sur place, voilà, une vente hebdomadaire. Et surtout, on est allé tout de suite voir un magasin bio, enfin un petit supermarché bio, qui maintenant a agrandi. Et eux nous ont fait tout de suite confiance. C'est-à-dire que tout de suite, ils nous ont pris les choses. Et ça dure depuis le début. Donc ça fait 14 ans que ça dure. Alors on n'a pas une chose contractuelle, mais on a vraiment, comment dire, une relation et de confiance. Et puis bon, ben voilà, ils sont très contents de la qualité des produits. Puis on les livre du lundi au samedi. Ouais. Et cette fraîcheur-là, franchement, ils l'apprécient vraiment. Ça s'appelle le Luberon Bio. Le Luberon Bio. Vous livrez tous les jours. Oui, du lundi au samedi, pas le dimanche. C'est plus pour prendre un jour de pause. En voilà. Termes de temps, ça vous prend du temps de livrer tous les jours? Non, ça a 10 minutes d'ici. Ouais. Ça prend une heure, mais... Mais ça veut dire récolte tous les jours aussi? Comment? Ah oui, oui. Ah, oui, ça veut dire récolte tous les matins. Tous les matins, ouais. Ça prend... La récolte, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Mais bon, c'est pas notre seul débouché, aussi. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que... Voilà, en termes de partenariat, voilà, on a deux autres partenaires qui sont très importants pour nous. C'est la MAP d'APT, voilà, qui est depuis 10 ans maintenant. Donc il y a 60 familles qui nous prennent un panier hebdomadaire du mois de mai au mois de décembre. Donc, c'est quoi le prix moyen d'un panier? On a deux types de paniers. On a un panier à 20 euros qui fait à peu près 6 kilos et un panier à 12 euros qui fait à peu près 3 kilos. Okay. Voilà. Donc 60 amapiens, oui. En permanence de mai à décembre. Oui, et puis c'est une AMAP qui existe déjà depuis 17 ans, hein, et voilà, qui nous a été transmise par un autre agriculteur qui était au début et qui, à un moment donné, enfin, qui était plus éloigné, hein, au niveau géographique. Et qui nous a dit, moi je ne veux plus le faire, et qui est venu voir Dany, il lui a dit, écoute, moi je pense que ce serait bien pour toi. Voilà. Et ça représente à peu près quelle part de votre chiffre? Ça représente, on va dire... 21 000 Oui, donc ça fait à peu près 20%, quoi. Voilà, 20%. Et puis après, voilà, on a un autre partenaire aussi. Bon, Luberon Bio, c'est notre principal partenaire. Et du coup, tous les jours... Oui, du lundi au samedi, oui. En volume... 60 000 euros. Oui, 65 000, ça peut. Alors cette année, peut-être plus, quoi. Et sans interruption hiver? On arrête. Une petite interruption. On arrête les paniers, là, à la mi-décembre, et puis tout s'arrête. Ici, il fait très froid l'hiver, c'est vraiment gélif. Et puis, se caler sur le rythme des saisons, c'est pas mal aussi, hein, parce que c'est se reposer l'hiver. L'hiver, je me dis, ouais, comment tu ferais si tu devais travailler encore comme on était, j'y arriverais pas, quoi. Bon, après, voilà, on a un petit peu des choses sous tunnel froid, un peu des mâches, d'épinards, et puis en stock, un petit peu de courge, mais voilà, c'est pas... Voilà, on se donne aussi le temps d'eux, et puis aussi du nettoyage, du rangement, de tas de choses, hein, que voilà, qu'on peut pas... On n'a pas le temps de faire. Et la vente à la ferme, ça représente une grosse part aussi Alors, c'était... C'est-à-dire que cette vente à la ferme, au moment du Covid, on l'a arrêtée. Voilà. On avait refait des paniers, du coup. Donc il y avait pendant le Covid, pendant la période Covid des deux années, la très forte, quoi. Là, ça avait vraiment bien marché. Puis après, on a arrêté aussi, quoi. Donc, Et alors, pourquoi ce choix d'arrêter la vente à la ferme? Parce que en fait, après, c'était... C'était ça. Nous, je veux dire, ça nous a... On a remarqué qu'en fait, le système panier, c'était vraiment très, très, très bien. Très... Oui.
plus pratique pour vous? Ah ben oui, complètement. Oui, et puis parce que du coup, on a eu besoin de moins de salariés aussi, oui. Et c'est moins compliqué pour les embauches chaque année, etc. Enfin voilà, les saisonniers. Enfin bon, ça... et puis les paniers, c'est la MAP d'APT ou c'est encore autre chose? Les paniers, c'est la MAP. Ouais, maintenant c'est la MAP d'APT. Ouais, ouais. Donc vous avez le magasin bio, les paniers à la MAP. Et puis, maintenant, un de nos grands partenaires aussi, comment je dis grand partenaire, c'est parce que c'est un partenariat fidèle. Donc c'est l'auberge de la Fenière avec Nadia Samut. Bon, certes, elle est de l'autre côté du dans les Luberon Sud, mais voilà, je veux dire, elle a un vrai engagement au niveau des agriculteurs en général. Et après, bon, voilà, il y a des relations plus particulières, quoi. Et donc, voilà, moi, elle me prend toutes mes fleurs et tous mes. Enfin, quasiment tout, quoi, parce qu'il y a encore quelques restaurants aussi ici locaux, mais c'est pas du tout la même relation au niveau financier non plus, ni relation humaine, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu une vraie relation qui s'est installée et toujours un soutien aussi, un vrai soutien, un vrai partenariat. Les fleurs, ça représente quelle part de votre chiffre en gros ? Voilà, sur 3 mois, ça a été à peu près dans les 5000 euros, on va dire. Voilà. Okay. Mais franchement, j'y vois vraiment une ouverture là. Dans 250 mètres carrés, tu disais. Comment ? La surface que tu as en fleurs. 250 mètres carrés. Oui, c'est ça. 250 mètres carrés. Mais moi, j'y vois vraiment une. Enfin, je me dis une personne. Enfin, je veux dire, si on s'investit encore plus, parce que j'ai pas fait non plus une succession, par exemple, de semis et de plantations, tout ça, quoi. Donc, j'en ai fait à peu près deux. Mais voilà, il y a du potentiel vraiment. Il y a du potentiel en agrandissant un peu, quoi. Toi, ça te prend un temps plein ? Non. Non, pas du tout. C'est un jour par semaine. Ouais, deux jours quand même, ouais, je dirais. Enfin, bien 2 jours par semaine, okay. On va dire. Mais bon, après, c'est vrai que, voilà, des fois, après, pour tout ce qui est préparation du sol, comme j'ai dit, c'est Dany qui s'en occupe. Voilà. C'est vrai qu'il y a une chose que, j'ai pas quantifiée, c'est peut-être plus tard on pourra le faire, quoi, mais c'est sur la valeur de tous les semis et les plants qu'on fait, quoi. On va y arriver aussi. Parce que voilà, quoi, ça. Beaucoup de choses à voir. Oui, mais je ne l'ai pas quantifié, je le dis. D'accord. Je ne l'ai pas quantifié. Okay. Voilà. Très bien. Du coup, magasin bio, AMAP, resto, incluant l'auberge. Oui. Et ça, c'est vos 3 débouchés principaux. Voilà. Ok. Donc particuliers, quelques particuliers, ouais. Aussi, quoi. Voilà, des particuliers, quoi. Voilà. On va attaquer la question qui nous préoccupe le plus, à savoir la transition à MSV. Peut-être pour mettre le contexte, parce que apporter de la matière organique et arrêter de travailler ses sols, ça dépend beaucoup des sols et du contexte climatique qu'il y a. Ah ouais, c'est sûr. Est-ce que tu peux nous resituer, qu'est-ce que tu as comme sol? Et là, du coup, tu disais, il y a beaucoup de froid en hiver. C'est quoi un peu climatiquement votre contexte? Ici c'est un climat continental, il fait froid, puis d'un seul coup il fait chaud. Il fait très chaud, très vite, sauf ce printemps, on a eu la pluie au mois de juin. C'est quand vos premières et dernières gelées dans le temps? Ça dépend, hein. Il pourrait geler déjà maintenant au mois d'octobre. Hein. Un petit gelé, puis après il refait beau, hein. C'est pas... Ah ouais. Et au printemps, ça peut être au mois de mai, hein, ouais. Début mai, les 5 glaces, c'est à peu près. Mi-mai, hein. Et vous savez ce que vous avez comme précipitation un peu ici? Comme en Normandie, hein, je crois, 400 mm ou 400, 600 mm. Quoi? 600 mm. Bien plus que 400 mm. 600 mm normalement. 600 mm, ouais. Ouais. Okay. Mais bon, on est parfois en dessous, hein. Ouais. Ouais. Mais ce n'est pas les mêmes pluies ici, il pleut beaucoup, beaucoup et fortement. Ouais. Et pas longtemps. Ouais. On est ici au pied du Luberon, du massif du Luberon. Oui, on est Luberon Nord. Luberon Nord. Ouais. Donc le côté montagne qui vient bloquer les nuages. Non, c'est... Bon, on est un peu en altitude ici, on est à 300 mètres d'altitude. Donc par rapport à la plaine, on perd déjà 3 degrés. On perd déjà 3 degrés par rapport à Issoire-la-Sorgue, enfin ce qui est la plaine de la vallée du Rhône. Ouais. C'est beaucoup, quoi, 3 degrés. Oui, on le sent ce matin. Donc c'est pas des contextes vraiment pour le maraîchage, mais on cherche la vente en direct, on cherche pas la précocité, quoi. Ouais, d'accord. Et non, ça s'installe pas ici, quoi. Et en termes de sol?
Alors là, c'est un sol argileux, peut-être 20% d'argile, okay. Peut-être un peu de limon, un peu de sable, mais la caractéristique, c'est vraiment une terre collante. Donc c'est un peu moins facile, je pense, que des sols limoneux ou faciles à travailler et tout ça, quoi. Et puis vous avez vu la différence avec le sol sableux que vous aviez là. Ah ouais. C'est vrai. Ouais. Je savais que ça allait être compliqué, c'est ça qui a été difficile au départ, quoi, démarrer sur les sols argileux, qui n'avaient pas de matière organique, sauf la terre là. Donc il y a trois parcelles. Il y en a une, c'était le désert, quoi. Il n'y avait quasiment pas de couverture végétale, ouais. C'était à l'abandon comme c'était ça. C'était très sec. C'est quoi l'antécédent ici? Il y avait quoi avant sur ce terrain? C'était des friches. Hein. Ça avait été un peu travaillé dans les années 70 parce qu'ils faisaient du melon, mais sinon, c'était... Et sinon, avant, c'était une société des ocres. Ouais, qui était parce qu'il y a beaucoup d'ocres dans le coin et qui exploitaient les ocres. Et quand ça a été exploité, ils sont partis. Donc voilà, c'était du coup... Ah oui. Ouais. D'accord. Ouais. Et tu dis très peu de matière organique. T'as des analyses un peu, Oui, il devait avoir 1,5 de matière organique. Mais là-bas, il devait en avoir un peu plus, hein, parce qu'il y avait vraiment une prairie, c'est la terre du bal. Et donc là-dessus, tu commences en maraîchage bio classique et tu décides de passer en MSV. Alors comment tu as fait la transition? Eh ben, pour moi, c'est pas compliqué parce que je suis toujours en transition. Comme j'ai beaucoup de terres, je pouvais expérimenter comme je voulais sans besoin de résultats. Donc, je prenais pas de risque, quoi. Je me faisais plaisir en commençant comme ça, quoi. Petit à petit. Ouais. Donc, j'ai commencé il y a 5 ans. C'est cette parcelle-là. Donc, celle-là, j'ai fait la méthode de François en mettant. 30 cm de broyat, mais mélangé. Mais le problème, c'est que je l'ai trop mélangé. J'ai vraiment enfoui carrément au rotavator. Une fois que j'ai mis le truc, j'ai vraiment enfoui et trop mélangé avec la terre. C'est bien que j'ai toujours eu cette compaction du sol un peu en surface, quoi. Et j'ai pas un lit de plantation. Alors, tu as enfoui la matière, tu es venu faire ça à quelle époque? Ah, mais je suis obligé de le faire en été, quoi, quand c'est sec. Ouais. Ouais. Et t'as enfoui à quelle profondeur? Ben, 25. Ouais. Donc t'es 30 cm de broyat à 25 cm de profondeur. Ouais. Mais au rotavator, vraiment, en passant plusieurs fois, on peut vraiment bien l'enfouir. Et après, je me suis rendu compte des années après que François avait préconisé d'enfouir, mais en passant. Un outil de travail du sol, quoi. Pas rotavator, quoi. Et du coup, les conséquences aujourd'hui, tu dis... Les conséquences, c'est que j'ai toujours du mal, ça pousse, c'est poussant, mais j'ai pas un sol meuble en surface pour faire des plantations aisément, quoi. Alors pour les gros plants, ça va, mais tout si je veux faire des plants de salade ou des petits plants... C'est trop dur à planter, quoi. C'est l'eau des terres un peu argileuses. C'est pour ça qu'ils cherchent à décompacter. Ouais. ma solution, c'est de remettre une couche de broyat, comme j'en ai autant que je veux. Je vais remettre une couche de broyat, donc j'ai commencé là, remettre une couche de broyat. Parce que là je me suis rendu compte, une première fois, c'est dans les serres, comme j'ai mis encore plus de broyat. J'ai dû mettre 50, 40, 50. J'ai pas pu l'enfouir aussi bien. Et là-bas, ça a marché. Il y avait tellement de compost que j'ai pas eu de problème de compaction du sol en surface, quoi. Donc dans les serres, ça a marché. Donc je me suis dit, ah, ça marche. Puis après, j'ai été voir un autre maraîcher qui avait fait la formation ici, Rudy, qui habite au sud de Nice, là-bas. Oui. Ça serait intéressant d'aller chez lui. Et lui, il a fait tout le contraire. Il n'a pas travaillé, il a tout mis en surface. Et le résultat, il a des sols argileux. Et ça a marché, quoi. Ça a marché. Donc quand j'étais voir chez lui, j'ai dit, bon... j'ai certainement amené quelque chose avec ma façon de faire, mais les inconvénients, ils étaient quand même pas négligeables, quoi. Donc maintenant, je vais rajouter et puis je vais pallier au fait. Ce que j'ai gagné en vie du sol, en vers du terre, je vais pas le perdre. C'est sûr. Et donc tu as commencé par quelle surface la première année?
Ben, j'ai fait, j'ai pas fait beaucoup, hein. J'ai fait. Bon, j'ai fait là, j'ai fait 1000 mètres carrés, quoi. 1000 mètres carrés. Et tu t'as rajouté 1000 mètres carrés tous les ans Ouais, ouais, un peu plus. Bon, on dit 1000 mètres, mais en fait, il y a 2000 mètres, mais avec les vacances et tout. Mais si tu calcules vraiment les planches, ça fait pas tant que ça, quoi. Oui, voilà, ouais, parce qu'il y a des passages. Donc tous les ans, ça me prenait, pour faire 1000 mètres carrés, ça me prend une semaine complète, quoi. Parce que comme ça fait 6 épandeurs de 3 mètres cubes, et qu'il faut que j'en mette 6, 7, 8. Donc ça fait, il me faut une demi-heure par épandeur, ça me fait beaucoup, beaucoup de temps, quoi. J'ai calculé, ça me fait 8 jours de travail à plein temps. Okay. Donc ça fait... Une demi-heure par épandeur, gros tas de broyat. Qui est juste là à côté. Ouais, donc c'est le temps d'aller au tas, t'as un godet, tu remplis et tu vas... Ouais, je répands, je fais tout au tracteur, quoi, ouais. Donc... L'épandeur, c'est réglé au plus lent, donc quand j'ai fini ma planche, l'épandeur il est vide, je recharge, je refais. Donc, Et tu mets directement les 30 cm à l'épandeur ou tu dois repasser par derrière? Ah ben non, je suis obligé de passer 6 fois pour faire une planche. Ouais. 6 fois, parce qu'à chaque fois je mets 5 cm. Parce que 5 cm, donc pour faire 30 cm, il faut passer 6 fois. Alors, peut-être question bête, mais t'aurais pas intérêt à rouler moins vite et mettre... Ah mais je suis au ralenti, hein. De toute façon, quand je suis rentré, il faut que je sorte de la planche, donc... Oui, oui, donc de toute façon, tu vas passer ouais, moins vite. Ouais. D'accord. On va parler de ton broyat. Mmh. Tu dis qu'il était livré ici, que c'est celui de la commune d'Apt. Ouais. Communauté de communes. Communauté de communes. Ouais. Et il était livré gratuitement. Ouais. Ouais. La matière et la livraison. Et la livraison. Ouais. On a de la chance. Et ben ouais. Ok. Et tu te fais livrer quelle quantité là tous les ans? Oh ben. Il y a des années, je me suis fait livrer. J'estime 150 tonnes, un truc comme ça. J'en ai passé déjà. Et t'en as passé? Ah, j'en ai passé. Ah non, tu en as ah non, non, mais après, si je vide, ils viennent, ils remplissent. Après, oui, la quantité quand c'est plein, ils passent, c'est incroyable ce qui passe. Et donc, c'est du broyat de déchets verts frais, ouais. De ce que j'ai vu, non criblé? Non criblé. Ouais. Donc, grossièrement broyé, c'est un des inconvénients. Quoi. Ouais. On pourra aller le voir, c'est vraiment grossier. Quoi. Et pour enfouir, mécaniquement, c'est pas un problème? Non, 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 non. Puis après, je passe le. Quand j'ai fait mon truc, je passe le broyeur à marteau, une, deux fois, trois fois, six fois. Tu viens broyer par-dessus. Je broie, puis j'enlève les morceaux qui sont passés, parce que des fois, il y a des branches carrément, des gros morceaux. Donc j'enlève les branches derrière, les gros morceaux. Puis après, franchement, au bout d'un an, deux ans, on ne retrouve plus les morceaux. Oui, c'est sûr. Donc. À peu près 6 passages d'épandeur par planche. Derrière, tu viens repasser le broyeur à marteau. Mmh. Ensuite, tu passes encore le rotavator pour enfouir. Mmh. Et donc, tout ça, tu m'as dit, tu le fais pendant l'été. Ouais. Et ensuite, on arrive fin été. Est-ce que tu plantes directement dedans? Est-ce que tu sèmes un couvert? Est-ce que tu attends que ça repose un peu? En général, j'attends que ça repose, quoi, parce que franchement j'ai pas eu le temps de m'en occuper. En fait, il n'y a pas vraiment un suivi. Tu vas planter au printemps. Ouais. Et est-ce que du coup tu mets une bâche dessus en attendant pour que ça s'enherbe pas ou de toute façon ça pousse pas parce qu'il y a une grosse fin d'azote sur le démarrage? Ouais, au début ça pousse pas, quoi. Ça pousse pas. Mais assez vite on voit du chardon arriver. Enfin moi j'ai vu ça. Chardon, liseron, quoi. Et dans ces cas-là, tu réagis comment? Ben, je couvre. Là, par exemple, il y en avait beaucoup, j'ai couvert. À force, j'arrive à le réduire, quoi. Les endroits, il n'y en a plus. Donc je peux faire des plantations. Et puis d'endroits, ben, je garde les vaches, quoi. Mais c'est compliqué, le chardon. Sur des sols argileux, il aime ça. Hein. Ouais. Ouais. Et puis dès qu'il s'agit d'aller structurer les sols, il est présent. Ouais. Ok. Tant qu'on parle des apports de matière organique, tu me dis, tu ramènes ça en été, en général tu laisses reposer jusqu'au printemps. Est-ce que tu viens dedans mettre des couverts végétaux pour stabiliser? Est-ce que ça fait partie de ta réflexion d'intrants massifs ou est-ce que ça vient en parallèle? Non, ça vient, ça vient plus tard, quoi. Ça vient plus tard. Ouais. Je l'ai fait pour
essayer de décompacter justement. Quand je voyais que le sol il était dur, je me disais bon, si je fais un semis d'avoine, ça va aider, ça va aider, travailler des racines, tout ça. Mais bon, ça n'a pas eu le résultat escompté, quoi. Le résultat, c'est de remettre du broyat pour retrouver ce lit de plantation. Puis je l'ai fait pour des chardons aussi. Pour concurrencer. Ouais, donc ça, je vois la différence, parce que je ne l'ai pas fait entièrement sur toute la parcelle. Donc ça marche, mais pas complètement. Bon, peut-être à réessayer, à refaire. C'est quoi ton créneau pour les engrais verts C'est maintenant, là, en octobre. Donc je sème les engrais verts et après je remets une petite couche de broyat pour les couvrir et puis ça c'est pas de problème pour germer. C'est quoi une petite couche? Un épandeur. 5 cm. 5 cm, c'est une petite couche. Bah, c'est vrai qu'après, si tu mets moins de 5 cm, ça fait vraiment. Ouais. Mais ça pourrait. Hein. Ouais, ouais. C'est difficile de gérer l'épaisseur. Quoi, hein. Tu sèmes quoi comme graine? Comment? Tu sèmes quoi? Avoine. En pur? Ouais. D'accord. Des fois, je fais vase avoine, mais plus pour. Mais là, pour occulter le chardon, c'était avoine. Je pense que le seigle. Tu n'as pas de difficulté à traverser tes 3 cm de broyat? Ah non. Ça fait tout seul. Ah ouais, c'est ça. Tu sèmes à quelle densité? À peu près 40 kg l'hectare. Ouais. 40 kg l'hectare. Ok. Et ouais. Au final, tu arrives à un couvert qui monte à 1 mètre de haut, que tu vas détruire comment? Ouais, bon, au broyeur. Hein. Au broyeur. Au broyeur à marteau. Donc tu mets un coup de broyeur au printemps. À ce stade-là, il est monté à fleurs ou pas encore? Non, faut que j'attende. En général, j'attends parce qu'il végète un peu l'hiver qui fait froid. Mmh. Puis après, il redémarre au printemps et il est vraiment à son top là, fin mai, début juin. Quoi. Donc avant qu'il soit un peu vert. Ouais. Fin mai. Ouais. Au stade, il commence à faire du grain, mais le grain n'est pas encore mûr. Ouais, à peu près. Il n'est pas tout à fait mûr, après ça dépend ce qu'on veut, si on va amener. Et donc tu amènes une matière qui est assez pailleuse au sol. Ouais. Et le fait de broyer à ce stade-là, t'as pas de repousse, t'arrives à cultiver directement dedans ou t'as quand même besoin de mettre une bâche Je peux pas cultiver dedans parce qu'il est déjà trop tard, quoi. Il est trop tard dans la saison. Déjà arrivé au mois de juin, ça va vite hein, de faire des plantations sur le. Parce que là, je fais plutôt les plantations au mois de avril-mai, après début juin. On peut encore planter des courges jusqu'au 15 juin, mais après. Du coup, les parcelles sur lesquelles tu fais un engrais vert, c'est des parcelles que tu condamnes. Ouais. C'est-à-dire, je suis pas dans un système de production comme. T'as de la surface. J'ai de la surface, donc je fais, par exemple, sur les parcelles du bas, j'ai rien fait, quoi. Cette année, j'ai rien fait, quoi. Okay. J'ai pas eu le temps, j'aurais voulu, mais j'ai pas eu le temps, quoi. Oui. Après, l'objectif, ça serait dans un devenir, ça serait d'abandonner les autres parcelles et de se recentrer juste sur la ferme. Oui. C'était mon objectif. Vraiment plus avoir des déplacements, d'avoir qu'une seule entité, tout en MSV. Quoi. Votre ferme, elle est sur deux espaces, deux lieux? Trois. Il y a les terres qu'on loue. Donc il y a 6000 mètres d'un côté et 6000 mètres de l'autre, pas loin de l'un de l'autre, mais c'est des terres en location. Pas idéal. Donc on. Une distance d'un kilomètre, un à deux kilomètres enfin d'ici, ouais. Et sinon entre les deux, un petit kilomètre. Okay. Ça tombe bien, j'allais aborder un sujet sur lequel le fait d'être sur trois parcelles, ça va avoir un impact. En termes d'eau, comment est-ce que vous avez l'eau sur le terrain? Comment est-ce que vous l'avez? Comment est-ce que vous l'avez ramené? Est-ce que vous l'avez sur les trois terrains du coup? Ouais, on a sur les trois terrains, c'est-à-dire les parcelles qui sont aussi en bas. Ouais. Au sud, on ne fait pas de maraîchage sans eau. Ouais. Donc forcément. On vérifie cette question. C'est bien. Et c'est vrai qu'au départ, pour parler d'ici, il n'y avait pas l'eau. En fait, il n'y avait pas l'eau à côté. Et pour ça, il n'y a pas eu de. C'était pas raccordé, etc. Donc on a trouvé. Il y avait une borne à 500 mètres, donc on a fait tous les travaux.
d'amener l'eau, ici d'enterrer les tuyaux et d'enterrer voilà, un peu partout, d'installer l'irrigation. Et aussi, on a aussi en même temps emmené l'eau de ville dont on ne s'est pas servi puisqu'on n'a pas d'habitation sur place. On peut avoir des abonnements à 7 cubes et demi ou bien à 12 cubes. Au débit, oui. Ouais, donc c'est en fonction de l'abonnement qu'on paye plus cher quand on a plus de débit. 7, c'est suffisant. 7 et demi, c'est suffisant. Et puis après, c'est sous pression, donc c'est l'avantage. Il n'y a pas de pompe, il n'y a pas d'entretien. Il peut y avoir des coupures, mais en général, c'est une ou deux ou trois jours par an. Et ils nous préviennent quand il y a une coupure. Et il y a l'eau l'hiver aussi. Donc, c'est très, très. Ça, c'est pas. C'est assez stable. C'est un gros avantage quoi, d'avoir quand on a des serres, d'avoir l'eau l'hiver. Ah, bah oui. Du coup, c'est l'eau du canal. Vous avez de l'eau tout le temps ou vous avez des interruptions? Ouais, on a de l'eau tout le temps, même l'hiver. Ouais. Pas de coupure? Pas de coupure. C'est des coupures accidentelles, mais. On est prévenu. Ouais, on est prévenu. On est prévenu, on nous dit, voilà, il faut. Ils font les travaux généralement très rapidement, hein. Un jour, voilà. Ouais. Non, pour ça, c'est vraiment bien, quoi. Il n'y a pas d'arrêté sécheresse ou autre en plein été, ça vous êtes pas embêté? Il y a des empêchements d'arroser pendant les heures chaudes, quoi. Donc il y a difficile à respecter, hein, parce qu'il faudrait qu'on se lève la nuit, qu'on a beaucoup de secteurs à arroser, on ne peut pas tout faire comme ça la nuit. Moi, j'ai pas de programmateur, tout ça, donc. Mais voilà quoi. Est-ce que la question s'est posée à un moment d'avoir un bassin pour tamponner une coupure liée à des travaux? On a un bassin donc avec alimenté par une source voilà qui alimentait la maison là avant. Okay. Et donc, vous avez quel cubage et vous pouvez tamponner on a mis une bâche et 30 mètres carrés, mais en fait on ne l'utilise pas quoi. Ouais. On a juste l'eau. L'eau, c'est bien de l'avoir quand même quand on doit continuer à laver les légumes, quand on doit arroser les plants, sinon ça serait catastrophique, quoi. Même deux jours, trois jours, ça devient problématique. Hein. Ben oui. Ouais. C'est pour ça qu'on entend souvent, c'est vrai qu'on entend souvent des gens, sans arrosage, etc. Il faut pas rêver. Même si on peut diminuer les apports d'eau, c'est vrai que sur certaines parcelles en MSV, là, par exemple, moi j'avais mis aussi certaines aromatiques ou même des vivaces condimentaires qui sont revenues toutes seules sans que je les arrose. Hein. Donc, sans qu'on les arrose. Hein. Donc, mais bon, voilà, ça prend du temps, etc. Et puis, c'est pas pareil. Hein. C'est pas, je veux dire, c'est on entend ça, il y a une grande pub qui se fait autour de ça, mais il ne faut pas rêver. On ne fait pas du maraîchage sans eau. Est-ce que vous savez me dire un peu quelle quantité d'eau vous utilisez tous les ans et combien ça vous coûte, du coup, du fait de payer l'eau du canal? Ah ben là, en chiffres, enfin, je veux dire, en ce qu'on paye, on paye sur la totalité des trois parcelles, on paye 3000 euros d'eau. Enfin, c'est ce qu'on a payé l'année dernière. Voilà. Ouais, je pense que. Pareil. Ouais, peut-être. Peut-être un peu moins avec les grosses pluies de juin, on ne sait pas. Voilà. Donc ça te fait combien à peu près en volume, là? Parce que moi, je ne calcule pas ça. Bon, là, on a calculé hein, tout à l'heure, ça faisait. Je me rappelle plus ce qu'on avait dit. On avait dit 5000 mètres cubes. Ouais, 5000 mètres cubes. 5000 mètres cubes. Au total, ce qui fait grosso modo. Sur 2 hectares, quoi. Ouais. Et du coup, vous êtes arrivé sur le terrain, rien, vide, pas de bâtiment notamment. Non. Quel choix est-ce que vous avez fait concernant les bâtiments? Est-ce que vous avez construit un hangar? Est-ce que vous êtes arrangé autrement? Comment vous fonctionnez? Avec des serres, avec des bâches opaques. Hein, donc, ça. C'est pour le matériel, oui, deux serres. On fait avec 12 mètres de long. Là, c'est des serres de 7 mètres, mais ça pourrait être 8. C'est vraiment ce qui est le plus facile. Pas besoin de permis, juste un dépôt en mairie, et puis ça marche, quoi. Et du coup, pour le stockage légumes, comme vous livrez tous les jours, en soi, il n'y a pas de stocker. On a juste deux petits frigos, enfin deux petits congélateurs qu'on a transformés en frigos, mais c'est vraiment.
Enfin, voilà. Ils sont là. C'est temporaire. Enfin, je veux dire, c'est juste, par exemple, si on récolte le matin le mesclun, ou voilà, en attendant de le reconditionner, on le met là, enfin, voilà, pour pas. Mais juste en mettant un thermostat sur un congélateur, ça, je l'ai pas inventé, je l'ai vu quelque part. On peut s'en servir comme frigo et on aura un congélateur où on peut poser une caisse de 50 là pour les babies. Choisir la taille du frigo, quoi, que les caisses passent. On peut stocker vraiment pas beaucoup. On n'a pas besoin de stocker. À part les légumes d'hiver, oignons, oui, voilà. Ça, vous faites comment du coup? C'est souvent sous la serre aussi. Hein. Les oignons, il y a pas besoin de stockage. Les pommes de terre, on va les mettre dans une grotte. Oui, parce qu'il y a des grottes ici, dans le coin. Donc, il y a vous avez votre grotte de stockage. Un agriculteur, par un hangar. Oui, voilà, c'est sous la terre. Ouais, sinon, on sera obligé d'avoir une chambre froide pour les pommes de terre. Les pommes de terre, c'est pas possible. Et après, pour les courges, on a là où nous résidons, en location, on a un atelier qui nous permet de stocker, mais bon, c'est rapide, quoi. Ça dure un mois, deux mois. C'était un problème avant, parce qu'on les mettait sous la serre. Là, mais il y avait les bêtes qui venaient. Et puis le froid, ça, c'était difficile de les conserver jusqu'en décembre. Quoi. Alors, c'est vrai que par rapport à ça, on a quand même essayé d'avoir un permis de construire, mais on ne l'a pas obtenu. Peut-être difficile, mais en surface générale. De stockage entre la grotte, les abris, le bureau, tout ça. Vous êtes sur quelle surface? C'est vrai qu'on n'a pas pensé à la grotte. Pensé à la grotte, mais c'est vrai qu'aux différentes possibilités. Non, mais c'est important quand même, parce que c'est quand même un endroit frais de stockage et l'autre. Mais disons, nous, avec ce qu'on avait là en cabane aussi, on a deux petites cabanes, tout ça, enfin en cabane et puis serre de stockage et tout, ça faisait déjà. Et la caravane bureau et une caravane pour éventuellement des stagiaires. Hein. On était déjà à 450 mètres carrés, sans compter les deux autres espaces de stockage. Donc on a je sais pas la parcelle, enfin la partie en grotte, combien que ça représente. Non, c'est deux palettes de pommes de terre, c'est tout. Oui, oui. Ah bon, ben voilà. Non, oui, bon, on va dire 500 mètres carrés. Voilà. 450-500. Voilà, c'est ça. Vous aujourd'hui, avec 14 ans d'installation ici, avec du recul, c'est suffisant, c'est trop, c'est pas assez? Non, c'est suffisant. Pour 2 hectares de production. Non, on a trouvé l'équilibre après. Ouais. Ouais, la structure, bon, après, disons que quand on fait les paniers, qu'on prépare les paniers, qu'on est dehors, tout ça, on doit toujours modifier nos agencements, etc. Quoi. Ça nécessite toujours quand même une certaine. Le confort de préparer les légumes quand il fait du vent, qu'il pleut, c'est sûr. Oui, c'est ça. Bon. Quoi. Okay. Donc là, Nadège, on est dans ton élément. Il y a les aromatiques, il y a les fleurs. Comment est-ce que tu as organisé un peu cet espace, dis-moi? Chaque année, je demande à Dany, travaille-moi le sol, prépare-moi le sol. En quoi ça consiste? Et en fait, pour moi, ça consiste à vraiment mettre de la matière organique, du compost. Mais alors là, je lui demande le compost bien décomposé. D'accord. Enfin, je lui fais créer des petites planches assez épaisses. Et après, en fait, cette année, je réfléchissais à l'irrigation. C'est-à-dire que comme il y a des choses qui grandissent vraiment haut, je voulais que ce soit aussi une irrigation un peu plus haute. On avait d'abord l'aspersion tant qu'ils étaient petits, en petits, et après, ça c'est sur les parties techniques. Je vois de l'irrigation par aspersion en fleurs, c'est peu commun. T'as pas de crainte que ça vienne abîmer la fleur? De fait, est-ce que ça l'abîme ou pas du tout? Non, parce que c'est de l'aspersion très fine. C'est de la micro-aspersion. C'est de la micro-aspersion. Mais moi, ce que j'avais trouvé de génial dans les différentes, depuis les différentes années où je cultivais, j'aimais bien la question du massif, en fait. Et en fait, je ne respectais pas du tout les distances de plantation préconisées. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai densifié. Et en fait, ça m'a permis, d'un point de vue pratique aussi, de nettement moins désherber. Et puis du coup, par exemple, là, on a l'estragon, c'est incroyable, quoi, il est grimpé très haut, quoi. Après, j'avais aussi de la coriandre bolivienne. En fait, je fais des recherches aussi sur les plantes qui peuvent plaire aussi aux cuisiniers, étant donné que c'est beaucoup une relation avec des cuisiniers qui ont un intérêt vraiment de plus en plus gustatif et du goût. Donc, c'est eux qui te demandent
quoi semer ou non, c'est toi qui leur proposes? Moi, je leur propose beaucoup de choses. D'accord. C'est-à-dire, je fais des recherches et puis, comme ils ne savent pas trop, bon, il y en a qui ont une connaissance vraiment de base et tout ça. Donc après, bon, je vais dans des choses traditionnelles aussi, hein, comme la coriandre, la ciboulette, le persil. Alors après, pour les basiliques, j'ai aussi choisi des basiliques, par exemple, basiliques réglisse, des basiliques cannelle, les basiliques pourpres, parce qu'eux, ils veulent beaucoup de les petites feuilles ou la gastachanisée, l'estragon du Mexique. T'as quoi, t'as une dizaine d'aromatiques? Non, j'en ai nettement plus. Ah, vas-y. je pense que j'en ai, au moins 20-25 sortes différentes, au minimum, quoi. Et puis, au minimum. Ah oui, qui vont toutes en cuisine. Non, mais j'en ai bien plus que ça. Mais c'est vrai que je les compte pas, quoi. Pour les fleurs, en comestibles, j'ai aussi approfondi. Bon, après, il fallait que j'adapte aussi les fleurs comestibles qui étaient possibles par rapport à la région. Mm-hmm. Donc, le cosmos, ça pousse très facilement. Après, j'ai cherché des cosmos aussi différents. Comme le cosmos velouette. Et puis, j'étais allée aussi dans les tagettes. Je suis allée au printemps, c'est dans la pensée sauvage. Et celle-ci, elle prend beaucoup de temps, quoi. En pépinière, je commence en mi-janvier pour pouvoir les planter au mois de mai. Fin avril, début mai, quoi. Donc c'est très long. Il y en a qui demandent beaucoup plus de temps que d'autres pour et la germination et après la levée, etc. En comestibles, je pense que j'en ai une bonne trentaine. Voilà. D'accord, et tu précises en comestible parce que tu fais d'autres types de fleurs aussi? En fleurs de bouquet, j'aime aussi beaucoup le zinnia. J'adore cette fleur, quoi. C'est parce qu'elle fleurit vraiment jusqu'à la fin de l'automne, quoi. Et puis après, des ageratomes, des ancolies, les bleuets ici, ou alors les centaurées qui sont de plein de couleurs différentes, quoi. Après, j'utilise aussi beaucoup, j'aime aussi beaucoup laisser les aromatiques monter en fleurs, même la coriandre en fleurs, c'est magnifique dans les bouquets. J'aime aussi mélanger les fleurs des légumes. Je demande souvent à Dani, écoute, laisse-moi en monter en fleurs que j'utilise dans les bouquets, parce que j'aime plutôt cette relation à la nature, quoi. Donc on a fait cette année, par exemple, il m'a fait deux endroits où il y en avait un où c'était essentiellement le broyat et l'autre le compost bien qui l'avait brassé, etc. Ça et fait quand même une différence, donc je préfère, je lui ai dit la prochaine fois que je fais des fleurs, je veux le compost bien décomposé. D'accord. Parce que déjà il y a nettement moins d'adventices, vraiment nettement moins. Après sur certains endroits, je pense que je mettrais quand même un peu de toile tissée, quoi. Par exemple quand c'était sur tous les basiliques différents. Tu récupères tes semences toi-même? Alors je récupère des semences, mais je les récupère pas toutes parce que c'est vrai que parce que c'est énorme, hein, de toute façon. Et puis je garde quand même une partie de semences que je resème. Les aromates et tes fleurs, oui. Tu les amènes au champ en plant ou tu fais des semis aussi? Je fais des semis. En fleurs, je fais du semis direct. En plants, non, j'ai pas fait de semis direct. En aromatique. En aromatique, tu fais des plants. Et en condimentaire. Non, j'ai pas encore testé ça. Voilà, mais c'est une bonne idée. Je dis, quoi, c'est mon petit coin de paradis, ça existe et je continue à le faire exister. Et je souhaite que d'autres continueront cette belle approche qui, pour moi aussi, amène de la couleur. Et pour moi, la couleur... je pense que ça fait partie aussi de la vie et de la beauté, quoi. Donc moi j'aime la beauté, j'ai aussi envie de la transmettre, donc voilà. Et donc là Dani, on est devant ta serre de tomates et tu me disais la tomate c'est ta tête de culture pour démarrer en MSV, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Comment je l'implante? Je fais comme pour la première culture à l'extérieur, c'est-à-dire que j'envoie les 40, j'en vois un peu plus dans les serres, on met toujours plus dans les serres, donc j'en vois 40, 50 cm de broyat avec mon épandeur. Donc là, il y a 5 planches. Donc je fais, la serre, elle fait 50 mètres sur 9 mètres de large. Et mes planches, elles font entre axes 1 m 70. Je mets 10 épandeurs qui font à peu près 3 mètres cubes sur chaque planche. Et après, je passe le broyeur à marteau, donc ça permet de réappuyer le broyeur parce qu'il n'est pas broyé fin, donc il est grossier, donc il est foisonnant, il prend beaucoup de, de, de,
Donc quand on a mis 60, en fait, ça équivaut à 40, quoi. Donc de passer le broyeur, je réappuie et donc j'en mets plus que ce que je mettais à l'extérieur. Et la suite, directement, tu plantes tes tomates ? Non, là cette année j'ai fait fort parce que je me suis décidé au mois de mars et j'ai planté au mois d'avril. Donc il y avait vraiment un laps de temps très réduit, hein, peut-être 15 jours entre le fait que j'ai pendu mon broyat et que je plante les tomates après. Et le broyat, tu l'as enfoui ou tu l'as laissé en surface cette fois-ci ? Ah mais là je l'ai enfoui. Ouais, je l'ai enfoui. Là, ça pose pas de problème de l'enfouir. Au contraire, je le fais directement. Je l'enfouis avec le rotavator, avec le broyeur. Et j'y mets quand même un broyat qui a un an donc il a composté un peu. Il a composté un peu, mais ça composte jamais complètement. Parce que l'eau, quand elle s'infiltre sur mon broyat, il y a des parties qui se composent parce que l'eau, elle y passe. Et puis l'eau, elle suit toujours le même chemin. Donc il y a des parties qui sont décomposées et d'autres qui sont encore sèches. Donc ça fait un mélange de compost et de broyat sec, non décomposé. Donc ça fait vraiment une structure très, très brute quand même. Donc une fois que j'ai fait ces planches, après dès que j'ai fini, je mets beaucoup d'eau. T'arroses ? J'arrose, mais vraiment... Par aspersion ? Plusieurs heures par aspersion. Et il n'y a pas d'excès d'eau, jamais. Et après, je pense qu'on a pris un croc. On a fait, parce que là, il y a 900 plants. Donc, c'est je fais par planche, je fais deux rangées espacées de 60 mètres. Donc, sur une planche, je vais mettre à peu près 200 plants, un peu moins, 180. 180 planches, 180 plants. Et donc je fais les trous, ça paraît un peu fastidieux, c'est comme si je faisais une plantation d'arbres quoi, avec le chrome, mais c'est très facile à faire parce que le broyat il est souple. Donc je fais des trous et je remets ce que je déplace, je le remets au milieu et on fait les trous tous les 60 comme ça. Après je prépare du compost avec mon épandeur. C'est du compost que j'ai préparé du broyat. Et que j'ai déjà affiné, c'est-à-dire j'ai tiré les grandes branches. Parce que je reprends une fois avec l'épandeur, et puis sorti de l'épandeur, avec mon croc, je tire, c'est un peu dangereux, hein. Je ne me mets pas tout à fait derrière l'épandeur, mais je me mets sur les côtés, et je tire les trop grandes branches. Donc je le fais une fois, deux fois, après j'ai quelque chose d'à peu près criblé, quoi. Enfin, où il y a beaucoup moins de grosses branches. Sur le dessus de mon épandeur, je mets trois sacs d'engrais. Là j'avais mis du... Non, pas du guano. C'est quoi, c'est du fumier de poule? C'est vraiment du fumier de cheval. Okay. Je ne me rappelle plus le nom. Pas grave. Et donc après, on prend une petite benne qui est derrière l'enjambeur. C'était des roues squelettes que je me sers pour tirer les pendeurs. Donc avec des roues à 1,70 m. Et là je me mets à cheval sur les planches. Puis de chaque côté avec une pelle, on remplit les trous avec le compost. Et puis après, on arrose et on plante. Il m'a fallu deux épandeurs pour remplir tous les trous. Donc deux épandeurs, c'est quel cubage ? 6 mètres cubes ? 6 mètres cubes. Donc 12 mètres cubes les deux ? Ouais. Plus... Non. Non, 6 mètres cubes. 6 mètres cubes les deux. Plus deux fois trois sacs d'engrais par-dessus. Ouais. Donc j'ai mis six sacs d'engrais. Sacs de combien de kilos ? C'est du 2-3-3. J'essaye de faire monter en température, je ferme, je mets de l'eau et de l'humidité pour que ça... Et ça réagit tout de suite. Hein, ça. Et tu plantes directement dedans? Et je plante directement mes pieds de tomates dedans. Et là pour la première fois, j'ai eu un tout début de fin d'azote, quoi. Donc j'étais quand même un peu inquiet, quoi. Mais ça s'est vite résorbé. J'ai vu les plantes jaunir un peu, les plantes tomates, alors là, je me suis dit, ouais. Parce que ça fait la troisième fois que je fais ce système-là. Chaque fois, j'ai fait des variantes, quoi. Des fois, c'était du compost plus mûr, mais là, c'était un peu moins mûr. Et puis, le laps de temps, il était vraiment très, très petit, entre le montage des planches et puis la plantation. Oui. Et donc, refaire, tu anticiperais peut-être l'apport de la matière pour que le temps soit plus long. Vaut mieux le refaire, se décider un peu avant et puis y aller, ouais. Si on laisse un mois, c'est pas mal, parce que sous serre, on peut monter la température, donc ça commence à se décomposer. Ça s'active plus vite, ça. Mettre un peu de... un mélange de broyat un peu plus mûr, voilà, tout ça.
Mais le résultat, il est top. Puis après, je peux faire ce que je veux après. Les premières tomates, c'est la mi-juin. Et t'as planté en avril? Et j'ai planté, ouais, début d'un courant d'envie. Je ne me rappelle plus exactement les dates, mais c'est début avril, je compte. Hein, ouais. Oui. Et tu fais tes plants de tomates toi-même? Ouais. Et eux, tu les démarres quand, les plants de tomates? Les plants de tomates, je me prends un mois et demi, donc je les fais en caissette d'abord, que je repique après en motte. Ouais. De 7. Donc je les commence en février, les semis de tomates. Un rang par planche? Deux rangs par planche. Deux rangs par planche, et elles sont menées sur une tête à chaque fois? Sur une tête. Mais je débourgeonne au début, puis après j'arrête, je laisse faire, quoi. Les tomates cœur de bœuf, Coralina, ça marche bien parce que c'est pas très poussant. Ouais. Pour les tomates rondes F1, ça marche bien aussi, hein. Mais pour les tomates vraiment anciennes, je crois que soit j'espace les... Soit je fais plus d'espacement parce que ça devient trop poussant. Après, il y a trop de feuilles par rapport aux fruits. Okay. Par exemple, là, j'ai eu un moment de stop sur les tomates quand il a fait très chaud, là, au mois d'août. Et puis après, il y a le regain de l'automne. Et après, ils se sont remis à produire. Mais pas les tomates anciennes. Les tomates anciennes, il y a plein de tomates, mais je ne sais pas s'ils arriveront à mûrir. Et donc là, tu as une serre de tomates. Ouais. Enfin, un tunnel. Ton tunnel, il fait combien en surface? 450 mètres carrés, 450 9 mètres sur 50 mètres. Tu me disais, tu es en train de calculer, tu es en... Ouais, mais j'ai calculé, ça fait pas un gros rendement, ça fait 2 kilos. Ouais, genre, j'ai sorti 2 tonnes 7 de tomates, mais bon, ça me fait quand même 7000 euros de... Ça pourrait être mieux, mais ça va. Ok. Je m'en contente. Il y a des années, bon, la problématique cette année, c'est que j'ai eu déjà la fin d'azote quand même. J'ai pas dans démarrage, oui. Jusqu'à ce que ça a impacté, mais j'ai pas eu trop de retard sur mes récoltes. Puis après, j'ai eu du mildiou parce qu'il a plu tout le mois de juin et nous, on n'a pas trop l'habitude. Donc, il pleut, il dit non, mais il faisait un temps vraiment. Il faisait un temps où c'était bloqué, il n'y avait plus de vent. Ici, on a toujours du mistral, on avait un temps un peu de mousson, où il pleut régulièrement, et il n'y a rien qui bouge, à part les nuages qui arrivent, quoi. Voilà, donc c'était un peu spécial. Mais ça profitait à certains légumes, mais, oui. Mais c'est sous serre. Bon, du coup, peut-être que cette année, la question de l'arrosage, elle est moins pertinente, mais je vois que tu as le goutte-à-goutte et l'aspersion. Ouais. Comment est-ce que tu gères? C'est quoi ta... Bah, comme j'ai eu le mildiou, j'ai pas mis l'aspersion. Ouais. Donc c'est un peu au détriment des araignées. Après, j'aurais peut-être pu recommencer l'aspersion à un certain moment quand le mildiou s'est arrêté, quoi, parce que bon, ça a séché. Donc finalement, j'ai pas mis d'aspersion. Bon, c'est plus facile parce que comme j'ai pas d'automatisme, il faut que je vienne, j'ouvre. Oui. Donc tous les... Normalement, chaque fois à midi, avant de partir, j'envoie 5 minutes, quelques minutes d'aspersion pour rafraîchir. Pour bassiner, oui. Ça plaît bien aux légumes, mais ça plaît pas aux araignées. Au total, t'as combien de tunnels sur la ferme? 5. 5 qui font tous la même longueur Non, celle-là, c'est le plus large. Elle fait... Ouais, c'est entre 5 et 65 mètres. D'accord. 50 mètres et 65 mètres. Et mes autres tunnels, ils font 7 mètres de large. C'est là 9 mètres. Mais c'est plus confortable pour moi, quoi. Oui. Il faut calculer avec les pendeurs. C'est les roues des pendeurs qui vont régler l'écartement des planches. C'est-à-dire que les anciennes serres, elles étaient beaucoup plus incurvées. Hein. C'est pas du bord droit, mais ça passe avec le tracteur, quoi. Et du coup, tu as quand même laissé un espace de bien 50-60 cm entre la bâche et la première culture. Ouais, on passe là. Ouais. Je passe de chaque côté. Ta hauteur de faîtage, là, c'est combien? Là, ça doit être 3,50 m. Mais tes supports de culture, là, ils sont à 2 mètres. Hein, de toute façon, mètres, ouais. Les pendeurs, ils passent. Hein. Ah, oui. Il n'y a pas besoin de le... On va aller le voir. De transformer. J'ai un ouvrant. Ça, c'est pratique pour gérer. Quand, par exemple, quand il va pleuvoir, je ferme. Dès qu'il a fini de pleuvoir, j'ouvre. Puis après, sur le côté, il y a moins d'eau qui rentre. Mais si c'est ouvert le dessus, là, ça... Après, sur le côté, au début, j'ouvre que le faîtage. Oui. Puis après, quand il commence à faire chaud, je mets mes cagettes sur le côté et je n'y touche plus, quoi, parce que sinon, c'est passer tous les jours pour enlever et remettre, oui. c'est trop de boulot, quoi. C'est d'où l'avantage des ouvrants, quoi. Ah, oui. Est-ce que tu as besoin de blanchir tes serres? Ouais.
Ouais, là, c'est parti, hein, avec les, la pluie qu'on a eue, là, il est parti. Et du coup, ah, tu fais ça comment ça, on gagne vraiment en température. C'est... Tu fais ça comment? Au début, j'avais un gros appareil, un atomiseur avec une grosse cuve, avec une lance. Je faisais ça comme ça. Maintenant, j'ai un tout petit appareil à dos qui marche très bien. Et ça me facilite la vie. Et t'arrives à aller jusqu'en haut de tes serres? Ah ouais, j'arrive. C'est un bon appareil, ça coûte 200 euros. Ouais. Et c'est ça s'appelle Flutex, je sais pas si ça vous... Est-ce que tu t'es posé la question de filet d'ombrage ou c'est pas nécessaire? Ouais, des fois j'y ai pensé, ouais. Mais finalement... Non, le plus simple c'est de ombrer. Le filet d'ombrage, il y a beaucoup de vent ici, des fois ça peut partir, quoi. Okay. Faut gérer le... Faut gérer, mettre, enlever... Et... Non, l'ombrage, on peut, en en voyant beaucoup, on peut vraiment bien blanchir, quoi. On est devant une vigne, mais c'est de la vigne de raisin de table, c'est ça? Oui. Donc vous arrivez à vendre le raisin, vous le mettez dans vos paniers Ouais, ça m'arrive. Cette année, il n'y a pas eu de récolte, parce qu'il y a eu trop de midiou. Puis après, comme il n'y a eu pas beaucoup de raisins, parce que là, quand on n'a pas beaucoup de vignes comme ça, il faut le couvrir avec du filet, parce qu'il y a trop d'oiseaux qui viennent le prendre, et puis les frelons qui viennent manger. À la fin, ils mangent tout. Si je mets un filet, un sac proof, là, ça va, je peux récolter. Mais cette année, ça ne valait pas la peine que je le mette. Le fait de mettre des filets, ça devient de plus en plus obligatoire maintenant, que ce soit avec les choux, avec même avec les salades. Avant, je n'avais jamais de problème de chenilles comme ça. Maintenant, il y a vraiment une difficulté à gérer les parasites, quoi, comme les frelons, comme les oiseaux, comme les chenilles, toutes sortes de chenilles dans les salades. Ça, j'avais jamais. Les choux, j'avais jamais de problème, quoi. Maintenant, c'est les punaises aussi sur les choux. Sans filet, ça devient impossible, quoi. Tu mets dès la plantation, du coup, les filets? Au début, c'est les altises, hein. Et puis après, c'est les punaises. Alors, les punaises sont venues très tard cette saison. Donc quand elles sont arrivées massivement, et elles ont vraiment impacté fort mes choux, parce que je les avais pas couverts, quoi. Et quand j'ai pas de filet, des fois je mets même du P17, quoi. P17, même en plein été, ça m'arrivait sur des choux de couvrir avec du P17. Indispensable. Il faut regarder en dessous après, hein, pour voir si l'herbe elle pousse, hein, sinon... Du coup, pour la vigne, en termes de densité, elle a quel âge déjà cette vigne? Oh, celle-là, elle doit avoir... Elle doit avoir une dizaine d'années, oui. Une dizaine d'années. Mm. Plantée tous les combien? Tous les 50. Tous les 50. Mm. Taillée tous les ans aussi, du coup? Ouais, ça c'est obligé. C'est toi qui fais? Ouais, j'ai travaillé 6 ans, ah bah presque oui. 10 ans dans la vigne. Bah donc, oui. Même dans le raisin de table, j'ai travaillé 2 ans dans une exploitation du raisin de table. Et du coup, tu la tailles comment? Oh, bah, je la taille classiquement, en laissant 6 porteurs, 6-7 porteurs par pied. Un petit porteur comme ça, qui avec deux bourgeons. D'accord. Je m'en occupe relativement peu, quoi. T'as rien à me dire le temps que ça te prend en taille, en sélection des bouquets, tout ça, ou... Non, là ça me prend... J'ai deux rangées de 40 mètres, c'est rien, hein, je le fais sans... Une semaine, c'est fait. Oh non. une heure et demie, je taille. Non, ça prend... C'est quelque chose d'assez plaisant de faire du raisin de table, quoi. Et facile à gérer, parce qu'il n'y a pas énormément de maladies. C'est plus compliqué les arbres. Les arbres, il faut vraiment s'y tenir. À cause des champignons, la moniose, c'est une problématique. Ben, on va aller voir les arbres. Ouais. Ok, donc ici, on est après un essai de salade, et tu disais que tu es venu ramener de la matière organique en surface. Et, ouais. Et ce qu'on voit sur ton sol, là, c'est peut-être en surface la matière que tu as apportée, et en dessous, là, c'est là où tu as intégré la matière. Voilà. Et du coup, ici, la matière, tu l'as amenée il y a 4 ans. Ouais. Et donc, on voit bien ton sol en rouge argileux et la matière plus brune qui est en profondeur. Hop là, c'est vachement granuleux, waouh! Effectivement, on est au mois d'octobre. Ouais, c'est sec, c'est trop sec. Dans le sud de la France, c'est bien sec. Mais d'habitude, il a déjà plu, hein, mais là, il a plu un peu, heureusement, parce que sinon, tout serait jaune. Ouais.
Et là, il a plus juste de quoi rafraîchir et humidifier un peu la terre, mais pas assez. Et un peu d'humidité en profondeur. Mmh, mmh. Top. Et donc là-dedans, 20% d'argile. Est-ce que tu arrives à voir la différence, si on arrive à retirer un peu ce qui est en surface, est-ce que tu arriverais à voir la différence avec là où tu n'es pas descendu avec le broyeur pour enfouir la matière? Rotavator. Avec le rota, pardon, excuse-moi. Bah déjà, on sent que tu butes un peu là. Voilà. Non, mais je l'ai descendu profond. Oui, tu as descendu profond. Hop là. Ça prend... Non, la matière est descendue, oui. Si, avec le roto, j'ai vraiment enfoui la matière. Et donc au final, tu as bien tes 30 cm de matière enfouie jusqu'au bout. Ok. Bah tant mieux. Et là, on voit qu'il y a beaucoup plus de matière organique, quoi. Là, tu dis sous serre, on a beaucoup plus de matière organique. Ouais. Déjà, on voit que le sol est beaucoup plus sombre. Il n'y a que quasiment que de matière organique, quoi. Là, la porte, tu l'as fait quand? Celui-là, c'est là. C'est en 2019. Ok. Ouais. Là, c'est carrément du terreau, quoi. C'est beau. Et c'est là que je fais les oignons qu'on va voir dans la pépinière. Oui. C'est ici que je les ai plantés il y a un an, quoi. Okay. Un peu plus tard, au mois de novembre. Donc c'est des oignons blancs que je plante. Je plante assez serré, tous les 20 cm, avec une rangée tous les 20 par 20, quoi. Et donc je peux planter un ou deux plants, par motte. Et après, ça me fait des oignons. Parce que je récolte pas tout en cébette, tellement il y en a, parce que j'ai fait 3 planches de cébette jusqu'à la moitié de la serre. Donc ça fait 25 mètres de long, là. 3 planches, donc ça fait pas mal de cébette. Et après, j'éclaircis et je laisse les oignons blancs, et ça fait les premiers oignons que je peux mettre dans les panières à partir du mois de juin. Et puis après, j'ai planté les courges de Sicile que m'a donné Rudy. Ces courges, tu vas en faire quoi? Bon, je vais pas toutes les manger, mais je vais les vendre, ça, je vais les mettre soit en déco, soit dans les paniers, ça va passer, quoi. C'est bon, les courges de Nice, c'est bon, hein, c'est vrai que c'est un peu gênant, parce que ça fait une seule pièce, donc tu la coupes en deux, ça fait un peu bizarre, mais... Parce que les graines se trouvent là, Donc là, on est dans ton hangar à matos. Ouais. Peut-être avant de rentrer dans les détails de ton épandeur, qui est incroyable, est-ce que tu arriverais mentalement à me lister tout le matériel que tu as, le nombre de tracteurs, est-ce que tu les utilises tous? Est-ce qu'il y a de l'indispensable, est-ce qu'il y a du superflu? Non, j'ai du superflu, mais je m'en sers jamais, quoi, donc je ne veux pas en parler. Mais sinon, j'ai 2 tracteurs qui font 60 chevaux, et puis un griffon, un rotavateur, un broyeur à marteau, un épandeur, et je crois que j'oublie rien. Après, c'est des choses qui sont accessoires, je ne me sers pas. Donc, du coup, 2 tracteurs, parce que tu en as un qui charge celui qui est derrière toi, ouais. Et l'autre qui va tirer tes engins. Ouais, l'autre qui est l'écartement, le même écartement que l'épandeur. Ouais. Donc, avec des roues squelettes. Donc, voilà. Ok. Et ça, je m'en sers pour repasser sur les planches aussi, pour les broyer. Ouais. Avec l'épandeur. Je crois que tu as rajouté un rouleau derrière ton broyeur pour rappuyer. Ah non, il y était déjà à l'origine. Déjà. Ouais, ouais. C'est pratique. En fait, c'est les broyeurs qu'ils utilisaient pour débarrasser les cultures sur les paillages plastiques. Ouais. Je me suis même servi du roto pour gratter un peu en surface, mais je peux prendre, normalement ça se fait pas parce que c'est pas fait pour ça. C'est un broyeur à marteau dessous. Bon, on peut toucher la terre un peu, ouais. Pas de problème. Et là, du coup, l'épandeur, hérisson plus vis, tu l'as acheté tel quel, tu l'as trafiqué, ouais, tu l'as rehaussé. Je l'ai acheté tel quel, ouais. C'est pas toi qui l'as rehaussé?
Non, non, non. Et du coup, t'envoies depuis l'arrière de ton épandeur sous les serres, t'as pas de projection sur les côtés, t'as pas ça eu besoin projette, de... Il y a toujours un peu plus de projection dans le passage des roues. Ouais. Des fois, avec le râteau, je remets... Je pense au bord de la serre avec les bâches. T'envoies pas des bouts de bois dans les bâches et les perces. Non, ça c'est pas violent, mais des fois même j'envoie des cailloux, mais en général c'est à l'arrière, hein, c'est pas sur le côté. Oui. Et puis comme tu disais, tu vas en vitesse lente. Ouais, je vais lentement, mais ça tourne très vite. Hein. Oui. S'il y a un caillou, il peut partir, c'est dangereux quand même. Mais ça pose pas problème. Oui. Tu as amélioré l'empattement, comment est-ce que tu as fait? C'est des réglages, il y a différentes positions par rapport au flasque. Donc on peut soit rapprocher, soit retourner le flasque, soit retourner la roue. Il y a plein de modalités pour régler l'écartement. Donc je l'ai réglé à 1,70 m, quoi. Puis à l'avant, c'est pareil, on peut écarter les roues. Et l'intérêt des roues squelettes pour toi? Ça prend moins de place. Hein. Si on se déporte un peu quand on est sur une rangée, le fait que les roues fassent 20 cm, on a un peu plus de jeu. Et c'est bon. C'est... Et comme tu es sur un engin léger, le tassement est moins un souci? Ouais, non, mais il n'y a pas de. C'est pas très lourd et normalement les passe-pieds c'est fait pour. Mais bon, il n'y a pas vraiment de tassement, hein, c'est le passage de roue. Hein, oui, c'est pas gênant. Et tu fais quasiment la majorité de tes plans. Je fais tous mes plans. Ouais. T'as quelle surface de pépinière pour ça? Ici ça fait 60 et 12 par 7. Ça fait 150 mètres carrés. Ouais. 150 mètres carrés pour faire la totalité de tes plans sur 2 hectares et 2 mm carrés sous serre. Ouais. Est-ce que parfois tu manques d'espace, t'as besoin d'aller mettre tes plans dans d'autres serres ou est-ce que c'est suffisant? Non, j'ai une autre méthode, c'est quand je fais mes oignons comme ça pour planter, pour le printemps, pour l'été, je les pose sur le compost là. Ah oui. Sur les planches, et puis je l'arrose avec de l'aspersion. Donc je libère de la place comme ça à fur et à mesure. Mais sinon, il arrive un moment, tout est plein, mais c'est rare. Alors, je vois que tu arroses à la douche. Ouais. Et de l'autre côté, j'arrose par aspersion. Okay. C'est vrai que j'aime bien arroser par la douche parce que je... Tu contrôles mieux? Ouais, je contrôle mieux, je regarde, et puis... Mais ici, je pourrais le faire. Hein. Mais c'est vrai que par aspersion, des fois, il y a des endroits où c'est moins bien irrigué. Des endroits où j'aimerais pas forcément arroser de la même façon. Parce que ici, de toute façon, c'est la serre chauffée où je mets une deuxième bâche que je viens glisser là, en dessous. Et puis après, vraiment, quand il fait froid au mois de mars-avril, je remets encore le soir, en période de gel, je mets un P17 et puis après une bâche plastique par-dessus avec mes câbles chauffants. Donc là, j'arrive à optimiser vraiment la dépense d'électricité là. J'arrive à faire des melons, tout ça, quoi. Toile tissée pour nettoyage. Bâche, étanchéité. Ouais. Carton, isolation. Puis après, j'ai mis des plaques de polystyrène pour garder. Puis après, j'ai mis des câbles chauffants. Ouais. Donc, tu as des câbles chauffants. Ouais. Donc des gaines plastiques et le polystyrène en dessous. Hop là, en dessous, tu arrives sur... J'arrive sur le... Juste, y a rien sur le coffre. Dessus, quoi. Ok. Au début, j'avais pas fait aussi bien, mais bon, voilà, je voulais gagner un peu. Et puis après, j'ai des thermostats avec une sonde dans les mottes, et puis je maintiens la température en fonction des plants, quoi. Oui. C'est vraiment le plaisir de faire ces plants, de savoir quand est-ce qu'ils vont arriver. C'est vraiment un plaisir d'avoir le suivi de A à Z, quoi. Sans parler de... Mais bon, c'est du temps aussi. Hein, oui, j'allais dire, mottes, quel temps ça te prend? Tu fais tes mottes? Ouais, je fais les mottes. Et... T'as une motteuse? Ouais. T'arrives à estimer un peu le temps que ça te prend, toute la partie plan? Bon, c'est plutôt au printemps, j'imagine. Ouais, c'est difficile à évaluer. Mais ça serait quoi, 2 heures par jour? Mais si on met bout à bout, ça fait bien une journée par semaine, quoi. Un jour semaine. La période de mise en marche des cultures, ça prend du temps. Ouais. T'as eu des dégâts sangliers assez importants? Ouais. Déjà au printemps, là, ils sont rentrés et ils ont démoli une planche, sur deux planches d'oignons rouges, ils ont démoli une. Ouais. Et donc, comment tu t'en prémunis? Chaque soir,
Impérativement, je vérifie ma clôture si elle est électrifiée. Clôture électrique. Oui. Et si c'était à refaire, je mettrais vraiment des piquets en des fer à béton et quelque chose de solide, peut-être avec du fil Gallagher en métal. Mais sinon, ça les maintient, ils ne passent pas. J'ai la chance, j'ai pas de chevreuil ici, alors que sur les autres terres, j'ai des chevreuils qui viennent. Ouais. Mais c'est toujours le même, hein. Il n'y en a pas beaucoup, il en faut un. Hein. Et le chevreuil, il a pris ses habitudes, il vient, il mange des salades. Et voilà. Et les lapins. Les lapins, alors je mets des filets anti-grêle pour... un lapin, ça passe en dessous. Quoi. Ah bah oui. J'ai déjà essayé de les arrêter en mettant plein de fils. Non. Et à la fin, pas possible. Donc j'ai un stock de filets anti-grêle et je couvre mes salades pour les prémunir des lapins. Donc je tolère le blaireau, il me fait des... Il est assez précautionneux au niveau des plants. Peut-être que j'ai un bon blaireau, peut-être, parce qu'il y en a d'autres qui s'en sont pleins au niveau des jardins, mais j'ai plus de campagnol. Quelle chance! Ah ouais, c'est une sacrée problématique. Hein, ouais. Dany, merci pour toute la matinée que tu nous as consacrée. Peut-être là, si tu avais en conclusion un mot à dire sur un retour d'expérience ou un conseil à donner pour quelqu'un qui voudrait s'installer dans ce contexte, ce serait quoi? Ouais, de toute façon, qu'il puisse bénéficier de l'expérience d'autres personnes qui l'ont fait. Selon le contexte, c'est vrai que il peut vraiment y avoir beaucoup de variantes. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à aller voir. Mais après, en conclusion, ce qu'il y a vraiment de gratifiant, c'est vraiment cette impression du respect de la ville, du respect du sol. Et ça, je crois que c'est vraiment là-dessus que je voudrais conclure, quoi. C'est de faire quelque chose qui est vraiment dans le respect du vivant, quoi. Ça, c'est vraiment mon... C'est pour ça que si je finis, c'est pour ça que je voudrais finir que sur de la permaculture, quoi, que sur des sols vivants. Parce que c'est vraiment l'avenir. Pas seulement pour respecter le vivant, mais aussi pour donner aux gens la possibilité de se nourrir comme au mieux, quoi. Ça, c'est sûr, hein, parce que là... La qualité intrinsèque des légumes, elle est là, hein, c'est indéniable. Et puis merci de votre présence. Avec plaisir.